Coucou YouTube, attention, c'est parti, let's go pour le tambour. Et c'est parti, je le fracasse en deux, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Vous êtes en compagnie du Blifa 24 pour la suite de cette aventure, les amis, sur Arc Ascended. J'espère que tout le monde va bien et j'espère surtout, les amis, que vous pétez la forme. Aujourd'hui, les amis, donc on continue la suite de cette aventure sur Arc Ascended pour le 15e épisode. Dans cet épisode-là, les amis, on va partir faire la cave volcanique pour avoir du coup l'artefact du colosse. L'astuce que je peux vous donner, c'est les loups. Les loups, c'est vraiment très important, ça vous permet de détecter pas mal de choses. Et en plus de ça, les amis, les loups permettent de faire des jumps. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, ça a une bonne attaque, etc., etc. Bref, je vais pas vous raconter les détails, mais je vous recommande fortement de faire ceci. Et ensuite, les amis, on est parti du coup avec une tenue de camouflage. On avait également une tenue de rechange en cas qu'il se passe quoi que ce soit. On avait des grappins et des parachutes. On avait les soupes piquantes, bien évidemment, pour résister à la chaleur. Des breuvages médicinaux si on doit se soigner, forcément. Des répulsifs à insectes, vraiment, si ça se passe vraiment mal. Ensuite, on avait des stimulants, en cas qu'on ait de la torpeur sur nous. Également, des antidotes, en cas qu'on soit empoisonné, c'est-à-dire la fièvre de la marée. Je crois que c'est un truc comme ça. Et puis, voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous un bon visionnage. N'oubliez pas, très important, si vous aimez ce genre de contenu, commentez, partagez, rejoignez les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, bien évidemment le petit pouce bleu de la famille, et ensuite de désactiver Adblock, une façon totalement gratuite de pouvoir m'aider sur le financement de ma chaîne YouTube. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous un bon visionnage, et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Du coup, ce qu'il faut prendre, c'est un petit peu de médicinal. Donc là, j'en prends par exemple 4, tu vois, ça suffit large. J'avais des médicinales, je crois que j'avais des stimulants aussi. Pareil, stimulant, je vais en prendre 4. Répulsif à insectes, on sait jamais, je vais en prendre. Pareil, je vais en prendre 4. Et soupe piquante, c'est les soupes vertes. Kalien soupe. Où il y en a 36. Là, pareil, je vais en prendre peut-être 5 au moins. Ça, ça permet de résister au fait à la chaleur. Et il y a autre chose que vous allez comprendre dans la grotte. Ah, je sais pas, c'est pas moi. Pas moi. J'en ai pris que 5. C'est bon, Bob? Ah, moi j'ai stimulant, soupe piquante. Médicinal, il te faut. Médicinal. Répulsif, à insectes, ouais. Je vais en prendre un chouïa plus, on sait jamais si quelqu'un. Médicinal. Attends, je la remets en toi. Je peux faire parce qu'on sait jamais, si on arrive là-bas et qu'il nous manque un truc. Répulsif insecte, ok. Prenez à manger. Pour vous, de la viande cuite pour vos loups, pour la régène. Ah oui, ça j'ai pas pris. Je vais prendre la première génération là, le mâle là. Je vais reprendre celui que j'avais. Parfait. Il faut du répulsif à insectes. On va y aller avec les argentavis, hein. C'est loin. Hop. Attends. Ok, et t'as dit la viande cuite, c'est ça? Pour nous et pour les loups? Pour les loups. Pour les loups, la viande cuite classique, et pour toi, prends soit de la viande. De poisson, moi j'ai pris perso, j'ai pris un peu de poisson. Poisson cuit, ça suffira. Normalement, antidote, on en a pas besoin, hein, mais qu'est-ce qu'on fait? On en prend quand même ou pas? On en prend quand même, tu sais quoi, vas-y, je préfère être méfiant. Normalement, il y en a pas besoin d'antidote. Mais on va en prendre, allez. Ça, on sait jamais. Prenez des antidotes, hein. Ouais, ils sont où les antidotes? Dans le petit frigo à poudre à canon. J'ai le temps de me faire un café ou pas? Ouais, vas-y, hein. Avant de partir. Vas-y. On a perdu en tout, attends. Ah, il va falloir que. C'est bon, c'est bon. C'est bon, je suis. Plane jusqu'à la fin, plane jusqu'à la fin. Poser. Ouais, ou alors tu. Tu voles tranquille. On va vous faire des pings. Je vais basculer. Oui, par contre, en neutre. Voilà, hop. L'avantage, je vais essayer de le cal. Dans le recoin là-bas. T'as vu, là il fallait voir l'entrée ici, regarde. Tu le vois pas avec la végétation? Moi je passe à côté à chaque fois. Ok. Ah oui, effectivement. Ah oui, moi je voyais rien.
C'est bon, j'ai bien mis mon argentavis en neutre. Ouais. Ce que je vous recommande, c'est de vous mettre directement en camouflage. Bon, ça y est, c'est fait. Des chaussures de camouflage. Ah, c'est vrai, dans l'argentavis, j'avais tout laissé, c'est vrai. Si, si, je vais tout reprendre. Bah, je les ai pas pris. L'armure de rechange. Ah, tiens, attends, tiens, j'en ai. Ou je la prends sur moi. Tiens. Viens, Popol. Merci. L'armure d'argent, je la prends sur toi. Tu la prends sur toi, ouais. Ouais. Donc là, j'ai bien antidote, médicinal, stimulant, répulsif, la soupe, c'est bon. C'est bon, vous êtes ready? Yes, ouais. Presque. Je prends juste ma tenue de rechange. Metal. Tac. Et ça. Mettez bien votre grappin en ready aussi sur votre arbalète, hein, conseil. Hein, que ça soit bien chargé. Hein. Ouais, c'est bon. Allez. Vous avez mis vos oiseaux en neutre? Ouais. C'est bon? Ah ouais, c'est bon. Allez, on y va. Allez voir les belles celles-ci. Il fallait vraiment voir l'entrée. Bon. Oh, t'as c'est en noir et blanc. Ah, mais tu vas voir, ça a changé moi un qui peu. Vont... Oui, oui. Ouais. Ça commence. On y va doucement. Parce que ça charge, tout ça, on connaît le train-train. N'oubliez pas que des fois, le bug, quand vous tombez par terre, c'est à cause peut-être du son de l'artefact. Attends. T'inquiète, je vous attends. Je bouge pas. Mets ton micro, Bobby. Je vous attends, vous inquiétez pas. Attention de pas vous mettre la tête dans les fesses de l'autre. Oui. Vous me dites, hein. Ok, à partir de là, je vous conseille de prendre une popo de la soupe. Comme ça, hop, vous allez supporter la chaleur un peu plus longtemps et tout. Et surtout bon. Votre barre de soif. Là, je suis en train de sentir un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Là, on va avancer vraiment doucement. On va prendre notre temps. Déjà, je pense que vous entendez le bruit déjà. C'est trop beau. Si le son est trop fort, n'hésitez pas à descendre maintenant votre son du jeu. Ouais. Non, c'est bon. C'est bon ? Ah ouais. Je vais descendre un chouïa. Alors là, on peut regarder vite fait. Alors attends, je vais regarder vite fait. Ok, il y a un loot à première vue en bas là, je le vois d'ici. Je vous laisse regarder si vous avez envie de regarder. C'est bon ? C'est parti ! La soupe a duré longtemps, vous inquiétez pas, vous avez encore 800 secondes. Ok, là je commence à avoir des chauves-souris et tout. Heureusement qu'on a pris les antidotes. Hein. Ils sont très nombreux. Quelqu'un a un truc pour tirer ou autre? Ouais, ouais, j'ai mon fusil. Là, à mon avis, il va falloir. Hein. Les autres, approchez-vous, mettez-vous derrière notre train. Ouais, voilà, comme ça. Dès qu'ils s'approchent, vous tapez non-stop. Vous bougez pas, vous tapez non-stop. 1, 2, 3, tapez. Bien joué, très très bien joué. Parfait, très très bien joué. On a tué déjà une quinzaine de chauves-souris. Hein. On se rend pas compte, mais. T'as vu ce que attention sur la droite, beaucoup. Ah ouais, ouais. Scorpion.
Encore sur la droite. Bien joué. Alors attendez parce que j'ai des trucs dans l'inventaire que je vais jeter. Faites très attention à votre poids sur votre dino. Oh, j'ai jeté ma viande. J'ai jeté ma viande, mais non. La bêtise a été faite, mon colonel. C'est bon. Je touche pas là, c'est bizarre ça. Oh ouais, ça touche pas, d'accord. Ah ouais, attends, on va faire comme ça. J'ai un flingue, hein, sinon je peux suivre. Vas-y, venez. Ça va se tirer dans le caillou alors que. Alors que j'étais pas du tout dans le caillou quoi. Encore beaucoup de chauves-souris là-bas. Là, ce qu'on va faire, attendez, je vais ressentir. Ok, il y a un loot derrière, faut qu'on aille derrière en premier. Vas-y, venez, on va aller derrière. Il y a un loot là-bas. On va prendre celui-là en premier. Là, ça arrive. Ah, attends. Faites attention de pas tomber, hein. Sinon, c'est la mort. Ok, il n'a rien qui arrive. Ouais, scorpion, je veux dire. Je vais enlever ça avant que ça fasse bugger tout le monde. Ok, parfait. Vous sentez quelque chose avec votre loup? Des notes, des trucs comme ça? Ouais, non. 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 Y'a un truc qui descend en bas, qu'est-ce qu'on fait? On continue vers ici et on va en bas ou Bah comme vous voulez. On connaît pas alors. Bah vas-y, on va passer par là. Hein. C'est quoi ce cri? J'ai entendu un gros cri là. Ouais mais y'a personne. C'est beau. Ah je l'avais dit. Ça va être de plus en plus joli maintenant les grottes. Non, je renifle. Rien du tout. R. On a encore 600 secondes pour la soupe. Hein. Ouais. Rien du tout aussi de mon côté. Là, il y avait un truc à droite, mais j'imagine qu'il y a rien. Un peu tendu par là, fais gaffe. Là, faites attention de pas vous coller. Vas-y. On suit tranquillement. À mon avis, je crois qu'on a pris le passage le plus chaud de night. Je crois que c'est ça à droite le plus facile. Si ça se passe pas, on fait demi-tour, on ira à droite. J'entends plein de chauves-souris. Hein. J'en ai plus. Allez, chauves-souris qui va venir à droite, en face. À droite, j'ai du monde aussi. Hein. Faut pas gros les deux côtés en même temps. Ben, on va aller à droite. Je peux tirer à droite. Hein, vas-y. Et en cover encore, vas-y. Le petit nain qui tire avec son flingue. J'en peux plus. C'est notre jardin. Il est bloqué dans le rocher. Ah, c'est bon. Bien joué. Là, il y a du peuple, à mon avis, là-bas en face. Ça a l'air tellement grand. Là, ça commence à être grand, et je t'avoue que depuis le temps que j'ai pas joué, je sais pas par où on doit passer le mieux, tu vois, et tout, je sais plus. Il y a beaucoup de scorpions, hein. Il y a au moins une dizaine de scorpions face à nous, là. Go, on se met tous en ligne, et puis. Ouais. Mort, hein. Waouh. Oh non de Dieus. Ok, moi j'ai été touché, je prends un antidote. Ah. Voilà, oui. C'est bon, je suis guéri. Regardez en bas à droite si vous avez pas une tête de mort. Si vous toussez, vous êtes malade. Antidote chacun. Ouais, c'est moi, ouais. Antidote vert. Hop là. Toi aussi. T'en as pas pris? J'ai quel le vert? Bah la bouteille verte.
Ah merde, je l'ai pas celui-là. Bon. T'en as, c'est bon. Oh, j'en ai. T'en as Maya ou j'en ai moi? Attends, parce que j'ai plus vos noirs, je sais pas qui est. C'est Bob. Celui qui a le truc de particules au-dessus de la tête. Ah là, il y a Willy. J'ai mis dans ton loup. Tu peux tousser, t'auras pas de sirop. Je mets quel point pour le level du loup? Je te demande avant parce que je sais pas. Attaque. Ok. Je sens pas de notes ou quoi que ce soit, j'ai rien du tout. Non, j'en sens pas non plus, j'essaie depuis tout à l'heure. Attention sur votre gauche, hein, le. J'ai vu qu'il y avait des chauves-souris à gauche. Peut-être qu'on fasse le tour de ça déjà et après revenir ici. Ouais. Ah, je me rappelle pas malheureusement. Puis j'ai pas voulu me respoil, j'aime pas ce genre de truc. J'entends des bruits d'un peu de partout là. Ah, oh, on aurait dû faire des lits à l'entrée quand même. Des quoi? Des lits. Non, pas besoin. On va pas mourir. Hein. Apparemment, ok, là rien, cul-de-sac. Je recule. Ouais, cul-de-sac, demi-tour. Bip, 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 bip. Mais demi-tour avec le prix de roche. Oui. Avancez. Faut aller là où on a vu l'entrée, là, ouais. Faut qu'on aille là-bas. Tu veux Willy? Ah, il est encore vivant celui-là? Ah mince. Il meurt pas. Il pouvait pas te faire choper par une chauve-souris? Il peut pas attraper une maladie lui? Ce monsieur avec toi, oui. Il faut qu'on aille là-bas. Crobot. Note, deux notes. Ah. À mon avis, on s'approche de l'artefact. C'est bon? T'as entendu toi? Ouais. Ça, c'était ceux qui étaient derrière dans le truc. J'ai deux notes, hein. Y en a une par la gauche. Tout près là? Oh là là, aïe. Je crois qu'il vaut mieux qu'on passe sur la droite là. Attends, viens. Faut qu'on passe sur la droite. Oui, non, mais j'y vais pas. J'ai jeté un œil. Et je l'ai pas récupéré mon œil. Parce que j'ai vu. Oh bouchon. Ok, alors attendez. Ok, bon. On va s'approcher de là où c'est un peu ton dax. Ouais. Va falloir qu'on s'amuse à sauter. Quoi? Hein? Oui. Oui, c'était la surprise que je voulais pas vous dire. D'où le grappin. Ah là, faut qu'on saute en face. Exactement, alors je vous avec explique. Les loups. Oui. Si vous vous loupez, y a pas de panique. Vous essayez de remonter avec le loup, si vous voyez qu'il perd trop d'HP et qu'il va mourir, vous sortez du loup et vous grappinez au-dessus. Cherchez pas à comprendre. Oui. Il vaut mieux perdre le loup que ce soit vous. Oui. Oh putain. Ok. Bah ouais, j'ai rien dit, je vais pas vous spoil. Ah non, bah non. Vous avez vu un peu comment j'ai fait? Ça fait juste un... Un saut en avant avec l'accélération. Tu tapes dans le mur, tu fonces dans le mur, cherche pas à comprendre. Wow, putain, c'est chaud. Tapez vraiment dans le mur, hein, pas sur le chemin, le mur. Le mur en direction du chemin. Bien joué. Ah! Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'ai peur. Attends, je recommence. Accélère à fond, hein. Accélère à fond et saute au dernier moment. Non mais prends pas autant d'élan, t'as pas besoin non plus. Accélère à fond, vas-y, accélère à fond et saute au dernier moment. Cours. Saute. Oh putain! Ah, trop loin! Oh, recule! Recule! Aïe! Ah, loup. Tu m'as dit de sauter! Oh, toi, t'as dit le mur! Il n'y avait pas de mur! Il n'y avait pas de mur! C'est bon! On va en face! Tu fais de l'huile! Ah, j'ai fait de l'huile! Vas-y, va au loot, je sais pas si ça va me faire. Il y a une note là, juste à côté là. Tac. Vas-y, passez. Je vais attendre que le loot parte comme ça.
C'est bon, loot est parti. Mais je t'avoue que le loot il fait bugger. Hein. Je le ressens la perte d'épaisse. Oh, là, la petite note. Ah, oh, je vois l'artefact là-bas. Ça va aller? Ouais, Bon, y a une solution qui peut être radicale et plus simple. On va essayer d'aggro tous les trucs dans notre direction, les tapes, et on y va à coup de grappin. Bah après, l'artefact, y'en a qu'un qui peut aller le chercher aussi. Ouais, attention, y'a un dilo, il faut les tuer. Voilà, dégage. Y'en a un juste à côté là. Attends, c'est bon. Ah, bien joué. Vas-y, fais-le venir. Bien joué. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous les attirer sur vous. Bah push hip, push hip. Oh, je suis... non, on bouge plus, Faut mieux que installer, attention. Ils vont pas réussir à monter. Ah, ils vont mourir de la lave, c'est bon. C'est bon, ils meurent de la lave. Ok. C'est joli la couleur là-bas. Le son est vraiment bugué à fond. Oh, oui, mais je passerai pas mes vacances ici, moi. Moi, je serais bucolique. Vous avez tous pris la note, hein? Oui. Oui, j'étais méga yoshira. Mais il y en a une autre dans le coin, hein. J'en ai vu deux tout à l'heure. Ouais, mais on normalement, quand on va s'éloigner, le deuxième va repop artefact. Parce que vu qu'on est à plusieurs, normalement on est censé le reprendre plusieurs fois. Du coup, les notes, tu as dit. Ah, oui, il y en a deux sur notre droite apparemment. Donc là, c'est en face de moi, on est d'accord. Ouais. Tu veux pas qu'on continue? Non, là-bas, c'est quoi? Y'a rien là en face de nous? De toute façon, il va falloir qu'on essaye. Hein. Par là-bas. Oh. Oh. Là-bas en face, là où je regarde, moi. Là. Ouais, là. Ouais. Non, moi, y a rien. Pour venir sur nos pas. Hein. Ouais, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Je pense. Hein. Y a pas de note là-bas, on est d'accord. Non, c'est. Faut aller derrière nous en fait. Vas-y, on va derrière, on prend pas de risque. Ah, bah, faut re-shooter, mon général. Ah, il faut re-sauter. Waouh, ça va être plus compliqué là. Attends, y'a un chemin là! Non, y'a un chemin dans le. Ouais. On l'a pas fait ce chemin là. Ah, j'ai plus de soupe. Votre soupe, ça va vous? Ouais. Oui. Genre, moi j'ai les soupes. Et je vais grandir avec tout ça. J'ai fini d'être un an. L'artefact est revenu. Qui c'est qui va en prendre une? Attendez. Vas-y Bob, à toi l'honneur. Oh non, t'as l'honneur. Oh non. Ils ont fait. Oh mais moi je bug. Je le sais, c'est ça. Mais c'est pas ça qui me dérange, c'est si je crache. Ouais, elle peut cracher, ouais, j'avoue. Et pour revenir sur mon corps, ça va être compliqué, ouais. Attention, ça arrive sur mon corps. Bah, donc c'est à toi Bob. Venez ici, si vous aussi. Qui veut y aller, qui veut pas y aller? Je suis empoisonné. Il faut lui donner un antidote, s'il est empoisonné. C'est beau, j'ai. Ok. Bah qui veut y aller, qui veut pas y aller du coup? Non, bah moi je veux bien y aller, mais j'ai peur de... Moi aussi. Pourquoi tu... De crash. T'as peur de crash? Bah je crash, Bah je vais tenter, vas-y. Il est juste là-bas, là, en face de moi, là où je regarde. Comme ça, prends-toi you. Tu sais t'en servir du grappin, toi. Attention. Voilà, bien joué. Il est juste en face, là, tu le vois? La lumière verte. Ok. Bah t'as juste besoin du grappin en fait. Bah oui. Grimpin et moi je te conseille le parachute aussi. Alors l'astuce c'est que tu grappines et ensuite derrière tu actives ton parachute. Oh bah ça je vais pas y arriver tiens. En fait tu prends ton grappin, tu fais clic gauche et tu actives ton parachute. Et après tu avances bien avec ton grappin, tu appuies sur C pour enlever ton grappin mais n'appuie pas sur la barre d'espace hein. Sinon ça désactive le parachute hein. Je sens pas. Non, moi non plus. Vas-y, tente une fois, vas-y. Grappin. Ah là, j'ai pas besoin de parachute là.
Moi je te conseille le parachute parce que si tu te loupes avec ton grappin, au moins ton parachute te ralentit sur la chute. Tu grappines dans le mur. Vas-y là, tu grappines avec ton clic gauche. Tu mets ton parachute. Ah, t'as vraiment pas peur. Moi je préfère activer le parachute. Hein. Ouais, vas-y, là, ouais. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit le parachute aussi. Si t'as une surprise par rapport à un dino qui t'emporte, t'as le parachute. Ok. Attends, j'ai encore retour en verre. Vas-y, t'inquiète. T'as le temps, y'a pas le feu au lac. Même si on est dans un volcan. Allez, je rapine où, le bordel. Dans, toujours à la hauteur, toujours en hauteur, toujours en hauteur. Le toit. Bien. Voilà, ouais, vas-y. Vas-y. Oh, ouais, le parachute, et oui, le parachute, et oui, c'est pour ça que je le dis. Toujours en hauteur, vas-y. Voilà, parfait, bien joué. Oui, t'as réussi. Je me demande si on s'éloigne, il va pas repop encore une troisième fois. Non, je crois que c'est que deux fois, non. Il faut qu'on ramène combien de fois? Voilà, il en fallait qu'un, mais ça va nous servir pour plus tard. Okay. Donc, du coup, on en aura un pour plus tard aussi, tu vois. Ça nous fait. Ok, ok. Vas-y, moi, on continue. De toute façon, il nous manque deux notes là, en vrai. Hein. Oui. La note qu'on voit, c'est celle de derrière. Ah, sur la droite là-bas. Vas-y, on continue le chemin. C'est sur la droite là-bas. C'est de mon côté, ouais. Ici. Ça arrive encore à gauche. Ah oui. Ça va? C'est bon? C'est bon ou pas? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Okay, okay. Géré. Vas-y, on y va tranquillement. Il n'y a pas le feu au lac. On a assez de soupe, on a tout ce qu'il faut pour être tranquille. Ok, donc là il commence à avoir quelques trucs, mais rien de ouf en vrai. Attendez, je donne un coup de machin, renifle. Ah, les notes, elles sont tous ici, ouais. Araignée sur vous. Ok, la note, elle est là où je suis. Prise. Et là, je vous attends pour l'instant. Et la dernière, attends, je la vois là. Elle est là. Ah ouais. Un par un. Wow. Ne vous collez pas, un par un, seconde, parce que là. On n'y va pas, on attend. Je vais vous tuer une araignée au passage parce qu'elle est coincée là. Hop là, vas-y, voilà. Vas-y. Et je passe par la fenêtre. Ah, bah ça passe pas. Ouais, c'est ce que je me doutais. Je crois qu'à l'époque c'était pareil, j'étais pas sûr. Vas-y au suivant. Voilà, c'est bon. J'y vais. Et après, bah c'est bon, après il faut qu'on ressorte, hein, tranquille. Hein. Pas le feu au lac. J'ai petit fait accompli, mon chef. Non. Ouh, bien joué. Heureusement qu'il t'a pas poussé. Hein. T'es tendu, lui. J'ai serré. Il a serré tout ce qu'il pouvait. J'ai serré tout ce que pour. Mon dieu. C'est bon. Et après, je sais pas si on doit aller en face ou sur la. Bah non, on vient d'en face justement, non? Ouais. Bah là, il faut qu'on aille ici alors. Là où je suis à l'arche. C'est bon? Bah c'est bon, on a les trois notes là. Ouais. On a plus qu'à rentrer du coup. Ouais. On traverse l'arche là. Ouais, normalement c'est pour retourner sans faire justement les obstacles. Les obstacles, tu le fais qu'une fois en fait, en vérité. Sur la chauve-souris, sur la gauche. J'entends un bruit très différent là, faites très attention. Je me demande si c'est pas ce que je pense là. Ok, parfait. Pourquoi ça? Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? C'est chiant les animaux qui se collent là. Ouais. T'as plus de soupe. Hein? T'as plus de soupe? Ah ouais, la soupe.
train de vous en reprendre une, mais vraiment avec la tenue, ça me fait pratiquement rien. Bon bah parfait ça. Il y a un truc à gauche, il y a un truc à droite, qu'est-ce qu'il y a à gauche là? Je comprends pas, il y a quoi là-bas? On a eu les trois notes, on a eu les artefacts. Ah, il y a un loot, je crois. Il y a un truc jaune. C'est quoi? C'est un loot ou c'est l'artefact? C'est un loot, ça. Ouais, c'est loot. Vas-y, je prends et j'arrive. Allez, on sort. On remonte là-bas, on se casse. On se casse, beaucoup l'idée. Oh, c'est beau le mur là à droite. Ouais, les effets. Mais ça, vous allez comprendre à quoi ça sert, ça. Je vous dis rien. Ça sert bien à droite, Anto. Oh oh. Ouais. Va falloir sauter. Oh non. Oui. Non. Si, si. Tu vises les stalactites qui sont en bas face à toi sur la gauche là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Je crois qu'on a besoin de sauter. Ok, alors attends, je vais enlever certains trucs pour avoir plus de... Voilà. Tu avances pour vous laisser la place, hein. Oh, il a pas fait mon animation du saut, j'ai failli mourir. Oh, alors que j'ai appuyé dessus. Oh mon dieu, c'était la cata un peu plus. Vas-y, cours et saute. Juste une fois, t'appuies une fois sur ta barre. Oh là là. Pourquoi ça m'a pas fait l'animation? J'ai failli mourir. Bien joué. Oh la frayeur! J'ai failli mourir à cause de ça. Oh bah bravo. Oh, il y a du monde par là. Oh putain, on est dans la... Ah non, il y a un chemin, j'espère. Hein? Hein? Gauche. Ouais, y'a. Il y a un chemin, oui, à gauche. Ouais. De toute façon, j'ai pas peur, là. Vous allez vous rentrer dedans, vous allez vous bloquer. Ah mais je suis tortue. Encore. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, c'est caché toi, allez. Et y'a Sudi qui regarde, bah allez Anto, à toi. Ça c'est moi qui passe là. Anto il est tendu. Faut surtout pas se mettre trois côte à côte, sinon vous vous bloquez, faites gaffe. Droite ou gauche? Je dirais plus gauche, mais... Normalement c'est vers la gauche, je pense, pour... Bon, on n'y a pas été, il y a plein de monde. On va se perdre dans la grotte, tu aimes bien. C'est à gauche. C'est à gauche ou c'est oui, non, à gauche. C'est à gauche et après il faut monter. S'il y a du monde, c'est normal, c'est parce que on est obligé de repasser par là. Vous êtes pas empoisonné, c'est bon? Non. Non. Derrière vous. Ah putain. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Mon loup, il a une tête de mort, moi. Non, mais ça va partir sur le loup, c'est pas grave. Figure-toi que c'est... J'ai l'impression qu'on revient là, non? À mon avis, il faut descendre là et remonter à droite, non? Peut-être, hein, vas-y. Hein. Ouais. Tout de suite là, à droite? Oui. Ouais, là... Mais je crois que c'est ça fait un move comme si on faisait un... En retournant en arrière, non? On est perdu. Faut pas s'énerver, on va essayer de trouver le chemin, vous inquiétez pas. Je vous ai dit, je me suis pas spoilé, je me rappelle plus du tout de celle-ci, j'ai un trou de mémoire. Ouais, là, on revient sur nos pas, là. Ah, zut. Bah attends, je comprends pas, là. Là, c'est bien de la hauteur, on est d'accord. Ah, c'est là, hein. Il faut monter, faut... C'est là parce que monter. Là c'est là où je vous disais, regardez, oui. Vous pouvez voir ici je crois. J'ai sorti là. Ah vas-y. Oui c'est ça. C'est ça. Bien joué. Attends. Si si c'est ça. On a même des frises, oui, c'est-à-dire qu'on frise, s'approche de la sortie. Ouais. Allez parfait.
GG tout le monde. On a réussi. Attention au freeze. Ouais, je vais y aller doucement, Lia, parce que. Oui. Ça va, Popol? Ça fait mal à la tête. Oui. Tu es joué, je suis là. Ouais, il est encore là. C'est parfait. C'est dommage, le mien, j'en ai voulu qu'il craque. Bien joué. Et voilà, on a réussi. Ah, je suis même pas arrivé à 1000 d'attaque, crotte. Je vous l'avais dit qu'on pouvait la faire en mode easy celle-ci. Hein. Vous avez vu, ça passe. Hein. Eh bien, re les amis, j'espère que vous avez aimé ce genre de contenu. Et merci également à vous tous les amis d'avoir resté, ou plutôt d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Cela me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas, très important, vraiment, si vous avez envie de me soutenir jusqu'au bout, le petit pouce bleu de la famille, c'est vraiment très important. Ça met la vidéo en avant, également le contenu, mais pas que, également la chaîne YouTube. Et c'est grâce à vous les amis qu'on avance sur le monde de YouTube. Et derrière moi les amis, comme vous pouvez constater, donc on a les deux artefacts de Colosse, parce que oui, c'est des artefacts du Colosse, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous rappelle les amis que la solution la plus radicale, vraiment, si vous êtes tout seul quand vous le faites, c'est d'avoir une loutre. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous pouvez récupérer dans les caves deux artefacts. C'est-à-dire que vous prenez le premier, vous reculez et vous revenez pour récupérer le deuxième. Sauf que je vous rappelle que vous pouvez avoir qu'un artefact sur vous. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir dans votre personnage. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le stocker dans vos dinosaures. Et le seul dinosaure qui peut stocker un artefact, c'est la loutre. Et du coup, c'est là la solution. Vous prenez le premier artefact et vous le mettez dans votre loutre. Ensuite, vous repartez chercher le deuxième artefact qui est dans la cave, qui va respawn quelques secondes plus tard. Et vous le prenez et vous le mettez sur vous. Et là, vous repartez avec deux artefacts. Et si vraiment vous êtes en multijoueur, ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Vous le donnez à votre collègue ou le collègue va chercher le deuxième. Et puis, vous êtes tranquille. Donc ça, les amis, c'était vraiment la solution la plus radicale. Également, la solution que je vous ai donnée durant cette vidéo, c'est de partir avec la tenue de camouflage. Pourquoi? Ça permet de tempérer la température de votre corps. Et ça, les amis, c'est pas de refus. Ensuite, je vous ai conseillé également de partir avec une tenue de rechange. Comme ça, s'il se passe quoi que ce soit, vous êtes littéralement tranquille. Également, l'arbalète, le grappin et le parachute, c'est la vie forcément. Parce que si vous vous loupez ou si vous arrive quoi que ce soit, vous pouvez vous grappiner sur le haut de la grotte, etc. Et vous pouvez vous en sortir. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, les amis, la solution que je vous ai donnée, c'est de partir avec des soupes piquantes. Pourquoi? Parce que pareil, ça permet de faire descendre la température de votre corps au niveau des grandes chaleurs, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça tombe bien parce que là, c'était une cave volcanique. Donc c'est très important. Vous avez également le médicinal qui vous permet de donner un petit peu de santé si vous arrive quoi que ce soit. Vous avez également, si je dis pas de bêtises, le répulsif insecte. C'est vraiment si ça se passe mal, ça vous permet de pouvoir l'utiliser. Et quand vous l'utilisez, ça fera un petit son, etc. Je vous laisse découvrir vous-même. Mais je pense que vous l'avez découverte également lorsqu'on a fait le timing sur la reine des abeilles. Et donc ça fait un petit bruit tout ça et ça vous permet d'être invisible auprès des insectes. Et ça, c'est vraiment pas mal. Également le stimulant. Je vous rappelle que si vous êtes touché par des scorpions ou autres, vous avez de la torpeur, et c'est-à-dire que vous allez tomber par terre. Et la solution la plus radicale, si vous êtes touché par des scorpions et que vous avez beaucoup de torpeur, avant de vous écrouler, vous consommez le stimulant. Et ensuite, bien évidemment, les amis, de prendre l'antidote, parce que ça, ça vous permet de pouvoir vous soigner lorsque vous êtes touché par la fièvre des marées. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est quand vous êtes touché notamment par les chauve-souris, si je dis pas de bêtises. Et la solution vraiment simple et radicale, lorsque vous avez ce genre de choses, ça part très très vite. Et pour pouvoir le stocker plus longtemps, je vous conseille de mettre tout ça dans l'argentavis, comme ça vous êtes littéralement tranquille. Voilà les amis pour les informations, et encore merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, cela me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous les amis une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Merci à vous tous encore une nouvelle fois, grâce à vous en avance sur le monde de YouTube, grâce aux likes, aux commentaires, ceux qui partagent la vidéo, ceux qui rejoignent les réseaux sociaux, ceux qui s'abonnent, ceux qui activent la fameuse petite cloche, et merci à ceux qui jouent le jeu en désactivant Adblock, une façon totalement gratuite de pouvoir m'aider sur le financement de ma chaîne YouTube. Sur ce, à plus tout le monde, et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.